Connaissez-vous Sinali Diomende, le jeune défenseur central de l'Olympique Lyonnais, international ivoirien? Vous le connaissez peu? Eh bien, je vous propose de mieux le découvrir, notamment grâce à Football Manager. Vous pouvez découvrir sa fiche sur Football Manager 2021, mais avant d'entrer dans le détail, on va commencer par ce que l'on ne voit pas sur son profil, c'est son parcours. Et oui, il est jeune, mais non, il n'a pas été formé à l'Olympique Lyonnais, il a juste fait sa post-formation. Il a débuté, mais vous ne pouvez pas le voir ici, dans une académie très connue en Afrique, c'est l'académie Jean-Marc Guillou à Abidjan, c'est là où il a appris le football. Ensuite, il a rejoint le Guidar FC, là vous pouvez le voir, c'est juste ici, un club malien. Il a poursuivi sa formation dans ce club avant d'être recruté en 2019 par l'Olympique Lyonnais. Il a tout d'abord été recruté pour évoluer en National 2 avec l'équipe B, et ensuite il a fait ses preuves. Et il fait maintenant partie de la rotation, il a disputé une quinzaine de matchs actuellement avec l'Olympique Lyonnais, et surtout, ça n'apparaissait pas encore au début de la saison, mais il a connu les joies de la sélection. Et oui, il a porté le maillot des éléphants à 3 reprises au moment où j'enregistre cette vidéo, mais nul doute que sa carrière internationale sera beaucoup plus longue. Et sa première sélection, il l'a connue le 8 octobre 2020, puisqu'il a joué contre la Belgique, contre un de ses équipiers, Jenson Denayer. Un petit clin d'œil assez sympa d'évoluer contre un équipier qui joue au même poste. Enfin, dernier point que l'on ne voit pas, il a prolongé à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025. Au début de la saison, il avait un contrat qui allait jusqu'en 2023. Assez parlé des à côté, parlons de son profil. Vous voyez, une très belle fiche pour un joueur de 19 ans. La qualité de décision est sa meilleure qualité. Sa détermination est plutôt pas mal, 14. Personnalité équilibrée. Défenseur central qui peut dépanner à droite, mais c'est vraiment pour dépanner puisqu'il est très peu convaincant. Mais vous voyez, c'est très intéressant, le jeu l'identifiait déjà comme un jeune espoir sur le point de percer. Ce que je vous propose de découvrir, au-delà de ses notes techniques, mentales et physiques, que vous pouvez voir à l'écran depuis quelques instants, eh bien c'est d'aller dans les attributs cachés. En effet, lorsque l'on a l'éditeur in-game de Football Manager, on peut aller les voir. Allez, on va cliquer sur « Modifier les attributs du joueur ». On peut y voir certaines notes, on découvre son niveau actuel, un niveau 204, un niveau correct et même plutôt bon pour un jeune de 19 ans, et on voit également son potentiel, un potentiel évalué sur 200, actuellement à 128. Mais attention, le potentiel n'est pas le même dans chaque partie. En effet, sur Football Manager, pour des jeunes joueurs, eh bien le potentiel d'une partie à l'autre est compris dans une fourchette. Et on constate que pour Diomende, eh bien son potentiel il est compris entre 120 et 150. Son potentiel sera affiné plus précisément dans le prochain opus. En effet, plus les joueurs vieillissent, meilleure est l'appréciation de Football Manager. Donc vous le comprenez, le niveau actuel, on peut s'y fier, le potentiel étant évolutif, eh bien, il faut le prendre avec des pincettes. Par contre, vous le découvrez, vous avez toute une série de notes qui vont déterminer la personnalité du joueur, qui vont nous aider à mieux le connaître. Et si Sinali Diomende regarde cette vidéo, eh bien qu'il n'hésite pas à me contacter et on pourra discuter des notes que lui a attribuées Football Manager. Parmi les notes que vous pouvez découvrir, eh bien on pourra discuter de quelques-unes. Par exemple, le 12 en adaptabilité, je trouve ça un peu faible pour un jeune joueur qui a déjà réussi à passer de la Côte d'Ivoire au Mali et du Mali à la France. C'est que faire preuve quand même d'une grande capacité d'adaptation, donc à mon avis cette note sera à faire progresser. L'ambition, alors ça c'est difficile à évaluer. En fidélité, une note de 9, c'est plutôt logique, il est resté pour l'instant très peu longtemps dans ses clubs, à voir quel sera son avenir avec les Rodaniens. Allez, il y a également le professionnalisme, une note de 11, c'est que pour l'instant Football Manager est plutôt hésitant sur ses capacités à bien s'entraîner et à essayer de devenir le meilleur joueur possible. Régularité, note de 6, match important, note de 3, ce sont des notes très faibles. J'espère que pour lui que ces notes sont sous-évaluées, et pour les supporters lyonnais, puisque sinon, ça signifierait que dans les gros matchs, il vaudrait mieux ne pas le faire jouer. La tendance aux blessures, une note de 11. Ça, c'est un point quand même assez délicat. J'ai pas eu accès à l'historique de ses blessures, mais j'espère pour lui qu'il n'a pas une santé fragile. Et sa polyvalence, une note de 8. C'est plutôt logique, il n'évolue actuellement qu'au poste de défenseur central. Et le poste de latéral étant quelque chose de complètement différent, eh bien, je ne vois pas trop sur quel autre poste il pourrait évoluer. Peut-être un cran au-dessus en numéro 6, mais visiblement, selon Football Manager, il n'en a pas les capacités. Donc vous le voyez, pour Football Manager, c'est un très bon jeune joueur. Après, sa marge de progression, elle reste à déterminer. Néanmoins, à 19 ans, les qualités physiques et mentales sont très importantes, très impressionnantes. Et pour la suite de sa carrière, eh bien, tout dépendra de sa capacité à se transcender, de sa capacité à progresser. L'avenir n'est pas écrit, il peut encore tout se passer. Est-ce qu'il fera une grande carrière à l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il ira s'enterrer dans des petits clubs? Allez, je vous propose de voir une des carrières possibles pour Diomende. Par exemple, dans 15 ans, en mars 2036,
Eh bien, la carrière que lui a proposé Football Manager n'est à mon avis pas celle qu'il espérait. Vous voyez, dans l'équipe 2 du Gazélec d'Ajaccio, le Gazélec qui évolue dans le jeu en national, et en plus il n'est pas utile à cette équipe, donc vraiment une fiche très déclinante, vous voyez, il a perdu sur ses qualités physiques, ses qualités mentales sont à peu près restées stables, mais aucune progression technique. On peut également voir selon le jeu le développement de caractéristiques qui ne sont pas forcément exemplaires, vous voyez, il s'en prend un peu plus souvent aux arbitres que les autres joueurs, donc pas vraiment terrible, et si on regarde sur son parcours, eh bien oui, il est bien resté à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, comme c'est le cas irréel. Je vous le rappelle, il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025. Mais après, un départ libre à Villefranche, un départ libre à Quevilly, puis à Boulogne, transféré à Dunkerque, enfin pour terminer au Gazélec d'Ajaccio. Ce n'est pas la carrière dont il peut rêver actuellement, mais c'est quand même une carrière dans le football professionnel pendant 15 ans. La carrière qu'on vient de voir n'était pas flatteuse, mais ça montre bien que dans la vie, il faut faire les bons choix. Pour lui, il est jeune, il est important de jouer et de répéter les efforts, de participer à un maximum de matchs. Pour l'instant, à l'OL, ça se passe bien. J'espère pour lui que cela se poursuivra. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce joueur ou non. Dites-moi en commentaire également si vous pensez que Football Manager a bien prédit son type de carrière ou s'il en fera, je lui souhaite, une plus belle. Allez, promis, on se retrouve dans 15 ans pour faire le point. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut !